Salam alaikum mes icônes et Javi, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes nombreuses à me demander une box comment je fais pour nouer mon hijab. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous le montrer. Et donc vous voyez que j'ai un bonnet, j'aime beaucoup ce bonnet, je le présente comme ça à la base. Je le prends à la boutique Type Distil, c'est en gris, je vous mettrai les références. Et regardez, je le mets comme ça. Je le fourre à l'intérieur pour avoir l'effet bombé derrière. Hein. Ça me donne l'impression d'avoir des cheveux alors que j'en ai pas. Donc une fois que j'installe mon bonnet, je vais récupérer mon hijab et je vais le placer. Bon, comme ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Montrer deux de mes façons préférées de le porter. Donc ici là cette partie elle est plus courte que celle là parce que je vais beaucoup solliciter cette partie tout à l'heure, vous verrez. Donc je place mon hijab, j'aime bien le placer à ras les sourcils parce que j'ai l'impression que ça me donne un visage plus fin. Et je vais fixer avec une épingle, il faut faire attention à pas se blesser en fixant. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais ajuster en dégageant un peu les oreilles parce que j'aime bien mettre des boucles d'oreilles. Voilà, maintenant que j'ai fixé, attendez, je crois que je suis même trop devant. Voilà, maintenant que j'ai fixé, ce que je vais faire, c'est récupérer cette partie du foulard et la poser comme ça. Moi, j'aime bien porter mon hijab comme ça quand j'ai pas trop le temps de me préparer pour sortir. Pendant la peine de bien cacher la poitrine, c'est important. Et donc voilà. Voilà. Sauf qu'il y a des gens qui se plaignent parce que cette partie du cou est visible, ce qui est normal. Mais bon, chacun y va de son rythme. Donc j'aime aussi ramener cette partie-là pour cacher le cou. Il y en a qui aiment bien faire ça en laissant cette espèce de bout de triangle sur le bas. Dans ce cas-là, il faut fixer les deux parties. Il faut bien ajuster et les fixer. C'est très joli aussi, moi j'aime bien. Par contre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est voilà. J'aime bien que ça bave, donc je vais récupérer cette partie-là du voile. Je vais bien arranger que ce soit joli. Et puis, je vais venir en fixer là, derrière. Voilà, avec une épingle. Toujours en faisant bien attention, pour ne pas se blesser. Parce que c'est pas le but. Non, attendez, hein. Quelques secondes. Voilà. Et c'est fait. Voilà, avec le temps, hein, vous serez plus habile hein, pour l'épingle. Et donc maintenant, je vais placer ça là. Laisser bien baver au niveau de la poitrine, comme ça. Comme ça. Et comme je veux pas avoir à ajuster au fur et à mesure. Voilà, je trouve la bonne forme. Attendez, hein. Je trouve la bonne forme et je viens fixer là aussi avec une épingle en faisant attention parce qu'hier j'ai fait un hug à ma petite soeur et elle m'a dit aïe, il y a quelque chose au niveau de ta poitrine qui m'a piqué. J'ai dit eh, pardon, ça fait le voile là. Donc il faut bien veiller à voilà, mettre le bout. L'épingle, voilà. Là, j'ai fixé. Et voilà. Donc, résultat final pour cette forme de hijab. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est joli? Je sais qu'il y a plusieurs autres façons de le faire. Mais moi, j'aime bien ça. Vous voyez? Je trouve ça trop stylé.